Salut et bienvenue. Donc dans ce bloc de vidéo, on va s'intéresser aux déterminants des matrices et à l'inverse des matrices. Donc on va commencer très simplement par un exemple. En fait, on va prendre une matrice de taille 2, 2. Je vais appeler B. Donc les éléments de notre matrice sont les suivants: 5, 3, moins 1, 4. Donc le déterminant de cette matrice, qu'on peut noter det de B, ou bien avec une double barre comme ça, deux barres verticales, une de chaque côté, eh bien le déterminant de cette matrice B, on va apprendre à le calculer ensemble tout de suite. Ce déterminant se calcule comme le produit de la première diagonale qui va de en haut à gauche à en bas à droite, donc 5 fois 4, auquel on soustrait le produit de la seconde diagonale. Donc ici, j'enlève moins, entre parenthèses, moins 1 fois 3. Donc ça, c'est la méthode de calcul du déterminant d'une matrice de taille 2, 2. Donc si on effectue le calcul, ça nous fait 20. Moins moins 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Et comme il y a moins devant, ça fait plus 3. Qu'on se retrouve avec 20 plus 3, c'est-à-dire 23. Voilà, donc pour l'instant rien de bien compliqué. On a juste montré ce que c'était que le déterminant d'une matrice de taille 2, 2. C'est la différence entre le produit de la première diagonale et le produit de la seconde diagonale. Donc attention, je le répète, c'est bien pour une matrice de taille 2, 2.